Salut les gourmands et bienvenue aux nouveaux qui rejoignent la chaîne. Bien, la dernière fois on avait parlé de supports originaux, d'assiettes originales pour mettre en valeur vos dressages. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont posé un commentaire et j'ai décidé de faire gagner maintenant à chaque nouvelle vidéo, je ferai gagner deux PDF, un pour Facebook, un pour YouTube, à ceux qui auront posé un commentaire sur la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des fleurs, des herbes, des jeunes pousses, tout ce qui permet d'agrémenter vos décorations sur l'assiette. Il y en a plein, vous en trouvez en vente maintenant dans le commerce. Sinon, vous pouvez aussi en récupérer dans la nature, voire dans votre jardin, voire en faire pousser sur votre balcon. Vous verrez, c'est très facile à mettre en œuvre. C'est un artifice qui permet de décorer vos assiettes très très facilement. Je vous invite à suivre le diaporama qui va vous montrer quelques exemples de ce qui peut se faire dans ce domaine-là et je vous retrouve tout à l'heure. Bien, j'espère que ça vous a plu. Bon, ben, si c'est le cas, je vous invite à poser un petit pouce bleu en bas. D'abord, ça m'encourage. Ensuite, ça fait connaître Vision Gourmande. Je vous invite aussi à partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Et enfin, et surtout, à poser des commentaires. Je vous rappelle que parmi les commentaires, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner deux PDF à la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à participer. Je rajoute que les dressages que vous avez pu voir sont issus de chefs que j'ai sélectionnés sur Internet.
La prochaine vidéo traitera des desserts glacés. Des glaces, des desserts glacés en tout genre. Je sais, ça fait saliver. Bien souvent, on propose des glaces au dessert, on ne sait pas trop comment les présenter. Ça vous permettra d'avoir quelques nouvelles idées. Voilà, tout ce que j'ai pas dit dans la vidéo, vous pourrez le retrouver dans le descriptif en dessous. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis au revoir. Bye bye.